soi Dominique, chantons Jésus, l'ami des pauvres. Chantons avec François et Dominique, chantons Jésus, l'ami des pauvres.
siècle, pour tous les temps. Alléluia. Loué nous vient de toi, Seigneur. Alléluia. Nos êtres une humble et chaste sœur. Alléluia. 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 Psaume 64. Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Donnez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. Tes ennemis se font effrayer.
salle le fleuve à pied sec. Que notre joie soit ton produit, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations, que l'île belle ne se dresse contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu. Préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur l'oreille l'étreinte. Quel est ça l'homme chevauché sur nos têtes, et nous passions par le feu et par raconte ce qu'il fit pour mon âme. Paris, ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu la malice en cœur, le maître ne m'eût pas exaucé. Pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Psaume 149. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau. Sa louange en l'assemblée des siens. Gloire et salut sur la terre. Les possions et les terres en son bras. Louange à son nom. Oh,
Cantique d'Amos, page 328. Oh, ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin qu'il conquiert toutes les nations qui m'ont appartenu. De Saint Bonaventure au XIIIe siècle. Le père de François voulait le faire comparaître devant l'évêque pour qu'il renonce à tous ses droits d'héritier et lui restitue tout ce qu'il possédait encore. François, en véritable amant de la pauvreté, se prête volontiers à la cérémonie, se présente au tribunal de l'évêque et, sans attendre un moment, ni hésiter en quoi que ce soit, sans attendre un ordre, ni demander une explication, enlève aussitôt tous ses habits et les rend à son père. Rempli de ferveur, emporté par l'ivresse spirituelle, il quitte jusqu'à ses chausses et, complètement nu devant toute l'assistance, déclare à son père « Jusqu'ici je t'ai appelé père sur la terre ». Désormais, je puis dire avec assurance, notre Père qui est aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. L'évêque, un homme saint et très digne, pleurait d'admiration à voir les excès où le portait son amour de Dieu. Il s'est levé, a attiré le jeune homme dans ses bras, l'a couvert de son manteau et a fait apporter de quoi l'habiller. On lui a donné le pauvre manteau de bure d'un fermier au service de l'évêque. François l'a reçu avec reconnaissance et, ramassant ensuite sur le chemin un morceau de gypse, y a tracé une croix. Ce vêtement signifiait bien cet homme crucifié, ce pauvre à moitié nu. C'est ainsi que le serviteur du grand roi a été laissé nu pour marcher à la suite de son seigneur, attaché nu à la croix.
Alléluia, alléluia, alléluia. À moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de aux mains de tous nos ennemis. Amour qui décèle avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Servons Julien, notre Père Abraham, de nous donner la franchir la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. De la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix.
Avec Saint François le Poverello d'Assise, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu qui a donné à Saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, plein de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. No!